Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 juillet inclus. Le temps passe vite, hein, vous serez d'accord. Merci, merci, merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci parce que c'est vraiment grâce à vous, je ne cesserai de le répéter, que cette chaîne évolue. On est parti, mais avant cela, comme d'habitude, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe, le petit rituel. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc, si ça vous parle, si vraiment le message résonne en vous, ce n'est que du bonheur. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement, regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bah, je crois qu'on est parti, sans plus tarder, et puis on va voir qu'est-ce que cette semaine vous réserve. À tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On va aller faire une coupe, tirer du coup 9 cartes. Ensuite, on ira utiliser le petit, le normand, le jeu 32, le marc de café pour tirer quelques messages. Allez, on est parti. Je me concentre pour vous, les béliers, du 22 au 28 juillet 2024. Waouh, le 10 de cœur, magnifique. Waouh, vous concernant. Bon, là, il y a des projets sentimentaux qui sont en train de se mettre en place. Il y a de la concrétisation. Il y a éventuellement, pourquoi pas, une rencontre inattendue qui arrive à vous. On vous dit que vraiment, la chance est de votre côté et que vous avez une très, très, très belle protection cette semaine. Donc, quoi que vous puissiez rencontrer comme difficulté, celle-ci va être atténuée ou du moins que vous allez avoir des réponses plus que positives. Il y a quelque chose de beau, de beau. De vraiment de très porteur, pourquoi pas un message inattendu. Est-ce que certaines personnes éventuellement vont jouer au grade-grade cette semaine et vont gagner éventuellement un petit peu d'argent? On vous dit que pour d'autres, même est-ce que vous attendez des nouvelles sur un contrat de travail qui va vous permettre de gagner plus? Pourquoi pas? Et pour d'autres, peut-être sur le plan familial, est-ce que vous attendez une somme d'argent aussi? On vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. On vous annonce que pourquoi pas un petit voyage, un petit déplacement est au rendez-vous. Et on voit même pour certaines personnes, il y a de l'officialisation, il y a de la concrétisation qui arrive. Beau, 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 beau. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc on va en prendre 9. Le dos de deck, on va aller voir quand même mon dos de deck. Qu'est-ce que je passe? Qu'est-ce que je passe? Oh, bon, on voit les déplacements, on voit de l'officialisation, mais on voit également à un moment donné un petit, une petite baisse d'énergie, petite baisse de tension. Attention, ne vous surmenez pas trop non plus. Prenez du temps pour vous, hein, mais on voit que c'est comme si pour moi, là, peut-être même sur une situation stérile, sur une situation qui n'a pas bougé depuis un petit moment, ça y est, les choses se décantent et vont permettre en tout cas d'aboutir à de la concrétisation, à de l'officialisation. Attention tout de même à une personne un petit peu concon. Désolée, excusez-moi du terme, c'est sorti comme ça, hein, qui pourrait éventuellement vous causer quelques soucis, mais c'est pour moi quelque chose qui ne durera pas très très longtemps. Allez, on est parti pour vous les béliers. Regardez, il y a ce roi de carreaux. Ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a peut-être des origines étrangères ou du moins qui travaille à l'étranger, qui est à vos côtés ou du moins qu'il va y avoir des discussions avec cette personne-là. On voit qu'il y a un déplacement. Peut-être même sur le côté professionnel, vous déménagez, enfin pas déménagez, mais je parlerai, peut-être qu'il y a un déplacement à prévoir par rapport justement à des accords. Est-ce que éventuellement vous êtes en accord pour vous associer avec un patron? Vous êtes peut-être en accord pour commencer un nouveau travail également bientôt et que vous voyez cette semaine pour signer, officialiser en tout cas ce nouveau job, parce qu'on vous dit bien que c'est confirmé avec ce cavalier de carreau, que pour moi, niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'acte officiellement. Hein. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous ramène plus d'argent, ou du moins qui sera vraiment
en accord avec ce que vous souhaitez à l'heure d'aujourd'hui. On voit le côté famille, le côté maison qui est présent. Il y a beaucoup de communication cette semaine. Il y a des sorties également. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'interactions avec certaines personnes. Il y a du retard et on voit l'homme de trèfle. Bon, alors pour moi, c'est comme si cette semaine, il y avait vraiment. Alors, ça va être une semaine où on va vous demander peut-être de prendre du recul, de prendre de la distance, de pas forcément précipiter les choses, d'apprécier le moment T, hein, et surtout d'attendre. Si vous êtes en attente d'une réponse, pour moi, oui. En plus, on a vu tout à l'heure une réponse inattendue. Why not? Mais c'est comme si pour moi, là, peut-être qu'il y aura un petit peu, voilà, un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même une réponse. OK? Et moi, je pense que là, pour certaines personnes, il y a des signatures qui se font concrètement sur le plan professionnel. D'accord? Et c'est comme si pour moi-même, suite à ces propositions, il y a quelque chose qui redémarre, ou du moins, il y a un salaire, il y a quelque chose de plus important qui arrive à vous. D'accord? Hey, c'est plutôt pas mal, dis donc, mes chers et tendres béliers. On va aller voir maintenant sur le avec le jeu 32, pardon. Allez, s'il vous plaît, on va faire une coupe pour vous les béliers. Du 22 au 28. Ok, on parle de vous, le consultant, la consultante, et on parle du valet de trèfle. Et on a les deux 10, on a des réponses rapides par rapport à un changement, pourquoi pas par rapport à un voyage de longue distance. On vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous également et que peut-être il y a quelque chose qui coince sur le plan, pourquoi pas administratif, ou du moins que vous êtes peut-être à pourparler ou à discuter avec un brun ou une brune, pourquoi pas. Mais attention. Attention, attention, restez vigilants, vigilantes. On a également ce roi de pique et on a vous, le consultant, la consultante. Si vous êtes en couple, on voit que celui-ci ou celle-ci vous soutient énormément. Je vous invite à quand même rester sur vos gardes. Bon, on voit quand même des invitations. Ah! Est-ce que vous n'avez pas une invitation, ou du moins il n'y a pas un rendez-vous galant qui arrive cette semaine? Une surprise inattendue, un rendez-vous peut-être par rapport à une personne brune ou éventuellement une personne qui a un peu peut-être un côté un peu enfantin, un peu on se prend pas la tête, on profite de l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir. Parce que là, en plus, avec le 8 de cœur, on pourrait éventuellement une femme blonde, hein, dire une femme blonde ou un homme blond. Mais c'est plus le côté brun que je ressens. Bon, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des rendez-vous galants peut-être? On va aller voir. Allez, on va tirer 9 cartes. Hop, 2. Là, il y en a 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, j'ai mon petit le Normand là qui veut impérativement venir. On revient tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Allez, je les range bien. Hop, hop, hop. Désolée également pour la voix un peu cassée. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée en ce moment et ça tombe sur les cordes vocales. Désolée. Allez, on est parti, on va aller voir. Quelque chose de rapide, il y a un contrat, il y a de l'officialisation, il y a également ce roi de pique et ce roi de carreau. Alors, bon, est-ce que certaines personnes attendent quelque chose en lien avec la loi, en lien avec le juridique? On vous dit qu'il y a des réponses très très rapides qui arrivent, il y a même des signatures et des officialisations. Il y a la fin d'une situation perturbante pour certaines personnes. Peut-être même, en plus, on ressort un roi de carreau. Alors, est-ce que, comme je vous ai dit, vous avez peut-être pourquoi pas pour certaines personnes, une procédure judiciaire, vous divorcez? Et que là, cette semaine, il y a bah, des signatures, hein. Il y a vraiment ce côté contrat, ce côté on arrête, pourquoi pas même, c'est en lien avec de l'argent, hein. Vous allez réussir, moi je ne m'inquiète pas, ok? Vous allez vraiment réussir. Ce n'est pas sans mal, mais c'est comme s'il y avait quand même quelque chose de très satisfaisant qui se préparait. On va aller voir. On vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, on voit ce 8 de cœur, ok? Bon, il y a quelque chose de surprise qui arrive à vous, je vous dis. Je vous dis, vous êtes un petit peu tracassé, hein, par une femme un peu perfide, ok. Peut-être que vous avez des ennuis avec une personne, hein, qui vous cause des soucis, mais on vous dit que le projet, il est là, la concrétisation arrive. On vous dit même pour certaines personnes, vous êtes extrêmement bien soutenu de votre autre. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, il y avait des invitations. Il y a des invitations qui arrivent à vous, vous avez une rencontre, ou du moins, vous, ouais, il y a de la communication qui arrive vis-à-vis d'un
d'une personne de cœur, hein, d'accord? Il y a de l'argent qui rentre en compte. Est-ce que vous avez des soucis par rapport à une personne qui veut de l'argent? Ok, bon, il y a la joie, il y a la satisfaction sur cette personne. Pas de panique, hein, s'il y a quelqu'un là qui vous veut du mal dans votre famille ou du moins dans la sphère personnelle, regardez, il y a l'argent, moi je ne m'inquiète pas, vous aurez gain de cause, ok? Vous aurez gain de cause et on va voir sur cette dame de carreau, il y a le déplacement, ok? Il y a cette dame de pique et on vous dit qu'il y a le nouveau changement qui arrive. Alors, est-ce que cette personne peut-être aurait une avocate, aurait quelqu'un là qui la soutient ou qui fait des démarches? On vous dit de faire attention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais avec ce 8 de trèfle, c'est comme si pour moi, vous aviez gain de cause, ça va, vous allez être en colère. Ou vous êtes peut-être déjà en colère parce que c'est une perte de temps, vous avez autre chose à faire. Mais pour moi, on sent qu'il y a des bonnes, en tout cas, de nouvelles qui se préparent. Vous avez la joie sur de l'argent, d'accord? Donc, pas de panique. Il y a une réponse positive qui se présente à vous. Vous êtes extrêmement soutenu. Si c'est une personne qui n'est plus de ce monde, on voit que vous êtes bien guidé. Et que sur ces femmes, vous avez ce nouveau départ. Il y a de la concrétisation, il y a ce changement qui arrive. Peut-être en lien avec de l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de vous extirper de l'argent, peut-être. Bon, on va aller voir avec le marc de café. Allez hop, on va aller voir. S'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Regardez, vous avez la solution. Ouais, le deuil, ouais. Il y a une situation qui se termine, là. Il y a quelque chose qui prend fin, hein. Vraiment. Mais c'est en votre faveur, hein. Ok? Il y a un choix, ouais. Il y a l'abondance. Bon, il y a la bénédiction, coup de chance et l'intuition. Donc, si vous êtes enquiquiné, si vous êtes embêté par rapport à de l'argent, par rapport à une femme, sachez que pour moi, ce sera que de courte durée parce que vous aurez gain de cause. On voit la femme et on voit la prospérité. Pas de problème et on voit la force, le courage. Ok, ne vous laissez pas abattre, hein. Ne vous laissez pas avoir non plus par cette personne, car pour moi vous allez gagner, il n'y a aucun souci, vous aurez en tout cas victoire sur cette personne, d'accord? Écoutez vos intuitions, écoutez-vous. Moi je pense que quelque chose de super intéressant se profile à l'horizon, d'accord? Et pour d'autres, est-ce que là, oui, éventuellement financièrement, il y a un choix qui se présente à vous, ou du moins il y a une rentrée d'argent qui vous permet de vous stabiliser professionnellement, pourquoi pas également, d'accord? Et je parlerai même, est-ce que vous n'avez pas un choix sur le plan professionnel? Est-ce que éventuellement vous êtes en train de réfléchir à une possibilité, à des portes qui s'ouvrent peut-être de votre côté pour un changement professionnel ou pour une réorientation, vous verrez bien, mais c'est comme si c'était d'abord en tête, pas forcément que ça va être mis en place cette semaine, mais vous y réfléchissez beaucoup. Ok? Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop, allez, c'est parti pour les béliers du 22 au 28. Allez, hop. Vous avez la lune, vous avez les montagnes, Marie. Si vous êtes rencontré des difficultés, effectivement, vous avez le jardin. Regardez, il y a la clé. Non, les solutions seront trouvées. Les nuages. Et l'arbre. Attention à la santé, hein. Attention au corps qui peut-être va parler cette semaine. Ralentissez vraiment le rythme. Hein. Et on voit qu'il y a la cigogne. Ok? Et que vous avez en tout cas réussite sur ces vipères, réussite en tout cas sur ces blocages. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez trouver des solutions et je parlerai même pour certaines personnes là, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une réflexion, une prise de conscience par rapport éventuellement à une réorientation professionnelle. Parce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans le corps médical et que là, vous êtes en train de chercher ailleurs. Vous êtes en train de prospecter, vous êtes en train de regarder parce qu'on voit que c'est plus tenable, c'est plus gérable, votre corps est peut-être en train de parler. Éventuellement, et de voir pourquoi pas d'autres possibles. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Surtout, surtout, prenez bien, bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!